Allez mes amis, on est parti. Oh, c'est trop bien, en plus on est sur une nouvelle map pour la toute première game avec l'inconnu. L'inconnu qui vient d'arriver, c'est parti. On a mis une petite addon qui nous permet donc, quand on se téléporte avec l'inconnu, de reprendre le contrôle 50% plus rapidement. Tac, c'est par là-bas du coup, il y a la corrupte, donc on n'a pas d'intérêt d'y aller, mais bon après... faut bien qu'on chasse aussi les survivants. On va pas rester là du coup, juste aller au cinéma et à glander quoi, hein. Hé, hey, salut, ça va? Un petit M1. Voilà, contaminé. Hop, blessé et dans la sauce. Et c'est parti. C'était rapide, dis donc. Bon alors, je crois qu'elle est déçue du coup de la séance de cinéma qui était prévue, à mon avis. Elle voulait voir un film comique, pas un truc d'horreur. Du coup, je crois qu'elle est déçue. Hop là! Allez, on va taper ici. Let's go! J'ai un truc pour me téléporter? Ouais, je peux me téléporter du coup. Non. Si je veux me téléporter... Ah, comme vous pouvez voir là, du coup, je peux choisir quand est-ce que je vais mettre mon clone. Mon clone, je vais l'installer ici. Voilà, c'est bien là. Bon là, elle est dans la merde par contre. Ah. Merde. Je suis parti du mauvais côté. C'est terrible. Je suis parti du mauvais côté. Ok, on a le bot qui est en train de... qui est en PLS, total. Le bot est en PLS total. Zou. Une fois. Et deux fois, c'est nickel. Je vois qu'on est en train de faire le générateur sans pression là. Il y a quelqu'un là aussi, non? Le pauvre bot. J'espère juste qu'elle a pas jour arrière. Oh, tu vas être dégoûté. Regarde, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je viens de mettre un pop sur le gène. Mais alors, pas trop les boules? Vas-y, je sais. Oui, je sais. Non. Malheureusement. C'était un petit peu trop loin. Ah, ça passe à travers les murs, ça c'est pratique. Tu l'as. Un hit. Nickel. En plus, ça se démarre bien la cloclo. Hein. Attends, mais c'est abusé. Du coup, je lui ai mis un hit, mais elle s'est toujours pas débarrassée du truc, donc je peux lui enlever un autre segment de santé là. Arrête. Parce qu'en plus, ouais, ça passe à travers les murs et tout. Attends, mais genre, je la contamine si elle arrive pas à se débarrasser. Non, mais attends, il y a un... Non, j'ai raté un truc, c'est pas possible. J'ai dû rater un truc. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Genre, en fait, ça contamine. Et si entre-temps, je lui enlève un segment de santé, si elle arrive pas, du coup, à se décontaminer, je peux lui... En gros, en 3 hits, je peux la donner, quoi, c'est ça? C'est parce qu'elle t'a pas regardé. Ah, c'est parce qu'elle a fait de la merde, pour le coup. Ah, le double palette. El famoso double palette.
bim. Ah merde, il y a eu un rebond. Ah mais c'est le bot. Et T-bag et tout. Terrible. Donc une fois. Là elle me regarde, je pense. Bah. Deux fois. Ah ouais, toujours contaminé. Moi je pensais que la... Ah mais c'est un truc de dingue. Et donc là. Et là, si j'avais réussi à la toucher une troisième fois, ouais. Ok. Faut voir le temps que tu mets pour te décontaminer après. Je sais qu'il y a du monde là. Ouais, ça va, Cloco. Petite téléportation. Ah, mais là, le sbire ici, il est incroyable. Hein. Ah c'est horrible hein. C'est perturbant, tu sais pas quand est-ce que... Je sais pas si elle a une indication, elle... tant qu'il est allongé... Ah c'est bon, il s'est relevé. GG. Elle est partie, elle a géré. On se cache. Non, ça a fait un rebond foireux. Elle gère de ouf. Nice. Ah cette pression n'empêche. Merci pour les 26 mois gag. Merci infiniment, merci du resub poulet. C'est parce que t'as pas bien regardé mais j'ai l'impression qu'ils ont... En fait ils ont rajouté un délai il me semble hein. Ils ont rajouté un délai je crois maintenant pour réussir à te débarrasser donc du marquage. Ils ont up le tueur avant la sortie. Les bots sont pires, ils sont horribles, ils sont pires que les joueurs parfois. Ah bah totalement. T'as des bots qui sont... Parfois... Parfois c'est plus simple d'affronter... un joueur qu'un bot, hein. Clairement. Hein. Clairement, clairement. Hein. Y'a rien pour accélérer la... Y'a rien pour accélérer du coup la vitesse à laquelle on peut récupérer notre pouvoir je crois. J'ai fait le tour des add-ons, j'ai pas la pression. Franchement le tueur vient de sortir, tu le maîtrises déjà? Non non non, je maîtrise pas encore mon poulet. Non non, pas encore, pas encore. On va dire que, en fait, je pourrais commencer à dire que je le maîtrise au moment où... Au moment où les survivants du coup vont vraiment... Elle a joué vachement bien. En fait, il faut que les survivants en fait s'habituent au gameplay déjà. Tu vois du tueur. Et à ce moment-là... Oh, nice des dardes. Ah merde, c'est dommage. Elle aurait dû faire une ligne droite. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle a paniqué. Je pourrais dire que je commence à maîtriser le tueur, tu vois, au moment où les survivants en face commenceront à maîtriser... commenceront à connaître le pouvoir du tueur, et à ce moment-là, tu vois, ouais, les matchs seront différents. Mais là, il y en a pas mal qui vont découvrir du coup le tueur et ils savent pas comment l'affronter encore. Je pense qu'il y a moyen de poser le rayon de terreur ici. Faire un petit contrôle. Personne, ok. Nice. On voit l'aura de personne. Et en haut? Ouais, ils sont en train de se... Ça va, Clo? Il est parti par là, on va essayer de l'intercepter, on va passer par ici. Il y a moyen de sortir là, non? Ah, c'est uniquement par là? Ok, dommage. Encore un des dardes!
Voilà, c'est... Oh, dommage! Il y avait un petit rebond et tout, là. Il reste plus qu'un gène, déjà, tu me diras. Ouais, il reste plus qu'un gène, franchement, Varg. C'est bon. On est retombé sur elle sans faire exprès. Donc, attends, on a... On a une surf qui est contaminée. Comment ça se fait? Ah, j'avoue, le Mori. Vous avez raison, les amis, le Mori. C'est vrai, c'est vrai. Je suis là. Nickel. Alors viens Coco, on va... Je vais te mourir dans un coin sympa. Genre à l'intérieur de la cabane. Mais non, mais c'est abusé, j'ai la trappe derrière, tu sais quoi. Oh, c'est insane. Mike ! Mike, il fait quoi, sans déconner ? Une porte ici, une porte là-bas ? Mais non, mais c'est un délire. Oh, attends, Mike, il a eu le temps d'ouvrir la porte, là, s'il était près de la porte, hein. Ah ouais, large. Ah, je sais pas ce qu'il fait, Mike. Mike est terrorisé. Mike a peur. Il a peur, les amis, Mike. Oh là là. Mike est terrorisé. Il a peur. Bah, si ça veut dire, on va faire un petit truc. Du coup, on va enchaîner pas mal de petites games. Et oh, Mike. C'est terrible ce qui vient d'arriver. Je vais te zigouiller, je suis désolé. Excuse-moi. Je vais te zigouiller. Eh ouais, attends, P3. Je sais pas ce qu'elle a fait de la game. Je crois qu'elle était en panique. Le petit rebond. Nickel. Ah, il peut être drôle ce build en vrai. Donc je sais, les copains sur YouTube du coup, l'objectif ça va être, je vais vous faire un petit... donc là vous avez regardé la première game, on va faire du coup quelques petites games donc, c'est la découverte totale hein, du nouveau tueur. Et donc je vous fais une petite compile en gros dans cette vidéo où vous aurez donc les games les plus sympas de la soirée découverte. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Pourquoi les jumeaux étaient désactivés? Il y a un bug. Il y a un bug poulet, c'est pour ça. Il y a un bug sur Twin apparemment. C'est bien parce que les devs ils ont anticipé le truc direct et ils l'ont désactivé avant même que la magie tombe. Donc ils étaient déjà au courant du bug qu'il y avait. Allez, on est reparti. Allez, deuxième game. On est sur la même map. On va pouvoir profiter du coup du cinéma. Très cool. Vas-y feu. Salut Antonin, ça va? Ouais, j'aime bien ces coups de hache là en M1, c'est cool. C'est une attaque basique mais je sais pas, satisfaisant. Satisfaisant. Pareil, ce genre de survivants. Ouais, mais oui, non, mais les survivants qui font rien de la partie, généralement, ouais, je les attrape à la fin, je les tue. J'ai pas envie de laisser partir quelqu'un qui a rien fait de la game, qui a brassé du vent. J'ai pas envie de récompenser le sneakisme, tu vois. Ce type-là de sneakisme. J'espère qu'il a atterrissage. Hein. Ouais, il a atterrissage. Putain. C'est nickel. Ça aurait été plus intéressant des moines, hein. Bon, alors on peut littéralement les moines. On va l'accrocher, on va utiliser notre sbire pour se téléporter là-haut. On va taper sur le gène et je crois qu'ils sont tous dans le bâtiment de toute manière. Allez vite avant qu'ils puissent s'effacer. On tape, on transfère notre rayon de terreur ici. Ouais. Et... Putain, j'ai cru que c'était un surve. Merde. Et on backsave, hein, de toute manière.
On laisse partir, c'est le début de partie, c'est pas grave, il a forcé mais on... Hop. Nice. Aïe. Tu me fais mal. Tu me brises le cœur. Bah écoute, visiblement j'ai pas besoin d'utiliser le pouvoir. Je suis naturel, hein. Let's go. Bon après dans le bâtiment... Honnêtement dans le bâtiment les amis... Avec les virages serrés et tout, compliqué d'utiliser le pouvoir. À moins de connaître vraiment super bien du coup le bâtiment et d'abuser du coup du fait que le pouvoir passe à travers les murs. Il fait nimp, Jack. Il fait nimp. Distorsion. RS. On va pouvoir du coup back par là-bas. Nice. Bon, il a pas réussi à se débarrasser du truc encore. Ça dure peut-être un peu trop longtemps hein. Parti où? C'est abusé le temps que ça dure, non? Il est en train de me raider depuis tout à l'heure, il arrive pas à s'en débarrasser du truc. C'est abusé le temps que ça dure! Je sais pas après, peut-être qu'il galère, hein, il faudrait que j'aille voir côté serve. Mais j'ai l'impression que le statut il le garde trop longtemps. Donc je sais pas si c'est. Si le statut dure trop longtemps. Ou si... Non, il te regardait pas. Bah pourtant, t'as bien vu, il avait la tête derrière. Il regardait derrière lui. Mon poulet. Ils ont pas repris ici. Ah oh, aussi, ils ont repris. Oh, ça a l'air d'être juste extrêmement long. On l'a touché. Je peux la suivre, hein. Tout simplement, on va la suivre. C'est intéressant la mécanique, tu vois, de toute manière, de marquer le survivant et de te dire, écoute, c'est pas grave, je peux... De te dire, c'est bon, ça sert à rien, tu vois, que je panique. De toute manière, quand je la recroiserai, elle peut se débarrasser de ça que... Wow. Elle se débarrassera de ça seulement quand on sera en contact. Seulement quand on sera en contact. Je trouve ça cool. Attends, elle a réussi à s'en débarrasser alors qu'elle me voyait pas? Wouah, c'est quoi ce délire? J'ai vu la tête de Jeff. J'ai vu sa tête sortir. Ok, contaminé notre pote. Let's go. Distorsion. Pas la peine de dire distorsion les amis s'il vous plaît. Je vous en supplie, dites pas distorsion. Ne dites pas distorsion dans le chat s'il vous plaît. Ah, il y a eu un rebond sur le rocher. On se cache. J'ai l'impression d'être un ghost face. Ceux qui maîtrisent bien la maîtresse en vrai devraient s'amuser avec ce tueur, je pense. Faut vraiment anticiper son move et tirer du coup un tout petit peu plus sur l'avant. Oh. Eh bah GG. Ragnard.
la traverser. Il joue bien. The fuck. Il gère grave. C'est. Bien joué. Le troisième générateur va sûrement tomber là-dessus, je pense. Il a géré sa chase. Bah c'est bien, elle était intéressante la chase parce que l'autre chase il est en PLS. Il avait l'air en PLS. Après je t'avoue que 3 surf qui jouent comme ça, enfin 4 surf, ça aurait été compliqué pour moi là. Parce que j'apprends encore le tueur. Il faudrait qu'on mette une marque en plein milieu, ça serait vraiment cool. Non y'a personne? Ok. On en a mis une en plein mid, c'est nickel. Jackpot. Faire un tour par ici vite fait. On a l'autre bout de la map. La vache. Nice. Nous faut un kill. Kenji. Nice. S'ils sont à 3 sur un jeune, ils vont me le tomber. Hein. On se dépêche. J'avais oublié qu'il y avait des flashs. J'aurais dû me retourner un peu plus en regardant le cinéma. Ils viennent de faire disparaître mon sbire, mon enveloppe à l'instant. Ça s'est joué à une seconde près. Dommage. On a un M1. Alors, j'ai mis Nadon qui fait que la survivante, quand il y a une enveloppe à moi, elle se retrouve avec le statut inconscient. On va le laisser partir. On va pop. Maintenant. Nice. Voilà, il est marqué. Ouais, il s'y attendait pas. L'autre a été relevé. Ok. On se téléporte sur le sbire. On a un kill. Non. Oh putain. Attendez. Faut que je le garde. Donc là si vous faites des toutes petites pressions en faisant clic droit, vous avez vu, je retiens en fait le corps. Voilà. Et là je déploie. Voilà, nickel. Oh dommage. Michaela s'est soignée toute seule. Elle a une trousse de soins ou auto-soin. Peut-être qu'elle a le truc du basement, je sais pas. Aussi rapidement, au bout de deux games, elle aurait prestige déjà son survivant pour avoir les perks. Peut-être qu'elle va sortir de la cabane, on va voir. Enfin, la cabane, elle est où? Elle est là. Bon, elle serait sortie de la cabane depuis un moment, en tout cas. J'ai pas vu si elle avait une trousse de soins. Quelqu'un a vu si elle avait une trousse de soins? J'ai pas regardé. Rien ici? Ok. Voilà, deuxième corps là, j'ai ici. Nickel. Ah, personne. Là-bas, on a déposé. RAS ici. Ça roule. Bah, ça va, on a un petit contrôle sympa. Hein. On a un trigène et en plus, on peut déployer des sbires à côté. Enfin, des sbires des. Des enveloppes. Ça va ou quoi? Tu vas bien? J'ai l'impression d'avoir fait peur. Ah bah. Mais c'est un bot? Il fait des trucs bizarres. On dirait un bot. Elle a fait un move que les bots font, vous avez vu? C'est trop chelou. Je suis passé pour un méchant, mais. Et encore, je trouve pas que ce soit.
dire que quelqu'un joue comme un bot, en vrai, maintenant sur DBD, c'est plus méchant dans le sens « Oh, il joue trop mal !» Non, non, non. Y'a aucun des deux qui a été marqué, sérieux? Ah ouais! Bon alors, Jeff. Ok. C'est Mérine. Il monte ou pas? Putain, sans déconner! Eh, heureusement que l'autre Jeff, il envoyait du lourd, hein! Mais sérieusement! Non, mais c'est un délire! C'était trop marrant la scène, il était en haut et et il prend l'accès! C'est pas compris! T'as pas vu que j'étais là. Mademoiselle Michaela a trouvé la trappe. Bravo Michaela! GG. Ouais, franchement, graphiquement, il est bien foutu le Mori, il est vraiment stylé. Non, mais le tueur est stylé, le gameplay est cool. Non, franchement, sympa. Très sympathique. Ouais. Très, très, très sympathique. Troisième game! On est sur le temple de la purgation. Allez, on a changé un peu du coup de milieu. Bien que en même temps, non, j'ai quand même. Il y a un petit rapprochement du coup, quand même, avec la nouvelle map, je trouve. Allez, c'est parti. Ils sont éclatés les drops. Bah ouais, ouais. Trois drops. C'est des charmes et une bannière. Super travail de la part de l'équipe de Beavure. Troisième édition de drop. Et on sent déjà que. On sent déjà qu'ils ont la flemme, c'est drôle. Ah, bon bah, j'ai pas eu de sur les survivants. Ah, ils sont en dessous. Oh, double marquage. Bah écoute, c'est cool, hein. Bam! Allez, on est parti. Donc là, j'ai mis... Bon, la même add-on que tout à l'heure. Ah non, j'ai changé les add-on. Donc j'ai un combo d'add-on basé sur l'inconscience. Quand un survivant, du coup, à une certaine distance d'un de mes... d'une de mes copies, il se retrouve avec le statut inconscient. Et si jamais un survivant se retrouve, donc... attends, je vais déployer un deuxième ici. Ok. Si jamais un survivant, du coup, si jamais j'arrive à toucher un survivant avec mon pouvoir, durant les 20 prochaines secondes, si je dis pas de bêtises, il souffrira d'inconscient également. Il reste ici, sûrement en haut, je pense. Nice. On va taper. Un segment de santé en moins, c'est nickel. Nice. Bon, il a fait de la merde par contre là pour le coup. Merde, il l'a décalé sur la gauche. Je pensais qu'il allait à la gauche. Je sais pas si c'était prévu pour me bait. Bien joué en tout cas. Merde, j'ai tiré trop bas. Je suis à noob. C'est terrible, on avait un bon début de partie. Hein? Je viens de perdre la boule. T'as tapé de ta meilleure disparition, franchement GG hein. J'étais perdu. Il a un bulle spécial pour disparaître, j'ai l'impression. Il avait serré les dents, vous avez vu? Soyez discretos. Je l'entendais pas.
Les skins sont pas foufous, je trouve, pour le moment. Attends, et les skins de Sable, tu les as vus? Personnellement, les skins de Sable, je les trouve dingues. Putain, dommage. En fait, c'est trop drôle parce que ton but, c'est de te cacher le plus possible. Pour pas qu'elle te repère. Pour pas qu'elle puisse enlever son marquage. Et si tu te démerdes pas trop mal. Ah. Wait. Ok. Là, y'a rien, y'a pas de palette. Hein, tu tombes. Sérieux? Ok. Ok, ok. Je serais curieux de savoir. Quelqu'un peut regarder sur le wiki, s'il vous plaît, c'est sorti sur le wiki normalement. Quelqu'un peut me dire le time total, du coup, pour pouvoir. Le temps qu'il faut fixer le tueur, hein, pour réussir à enlever le marquage, s'il vous plaît. Oh, derrière. Attends, en plus, c'est des marqués Striker encore. Ah, j'ai un peu trop anticipé. Ouais, elle est sortie. Nickel. Non, tu fais de la merde, Varg. Nice. Voilà, t'es un peu dans la merde là, par contre. Ouais, c'est chiant, ça l'a touché, mais directement, donc ça compte pas. Nice. Le wiki est plus à jour. Ah ouais? Mais ils avaient dit qu'ils rajouteraient un certain nombre de secondes, je crois, hein, une fois qu'elle est contaminée. Ils avaient pas dit qu'ils rajouteraient 5 secondes, je crois? Waouh, double. On tape. Ah, tu vois, ça c'est putain de satisfaisant. Ça c'est le kiff. Honnêtement, c'est pour ça que le baron se cachait, ça peut être vraiment fort avec lui. 10 secondes de ce que je vois. Ouais, je trouve qu'il est marrant à jouer le tueur, franchement, ouais. Il est drôle, j'avoue. J'aime bien. Elle a réussi à se décontaminer, bien joué. Nice. Zafira, salut à toi. Comment tu vas? Ouais, la mage elle est cool, hein, t'as vu? J'aime bien aussi. Comment tu vas? Merci pour les 100 bytes, je gère, c'est trop gentil. Ok, on va pouvoir l'accrocher. Nice. Ah ouais, faut pas forcer les gènes, hein. Faut pas forcer les gènes, les gars. C'est pas bien de forcer les gènes. Ah, ils avaient envie de le faire. Après, je dis qu'ils l'ont forcé, mais non, ils l'ont pas forcé, hein. C'est façon de parler. Ah, ça fout les boules, ça, par contre. J'étais pile poil sur elle, mais je suis passé à travers sa tête, je crois. Et des fois, en fait, ça peut être un peu frustrant, tu vois, de voir que tu touches le surbe. T'entends un bruit? Tu le traverses, quoi. Faut vraiment que le tir soit précisément après un rebond, quoi. Ou précisément au sol. Là, tu vois, tu tires au sol.
Ça s'arrête instant. Donc faut toucher vraiment, faut le toucher en fait au sol, en touchant le sol. Ou alors tu fais un super rebond quoi. Alors comme ça. Paf, paf, hop, petit rebond quoi. Mais c'est stylé en vrai. C'est stylé parce qu'en fait, c'est une mécanique de gameplay qui pourra offrir en fait des gameplays avec des actions hyper intéressantes. Il peut y avoir en fait des actions hyper skillées. C'est ça qui est cool. Les actions sont cool. Alors tu peux rentrer dinguerie sur certains spots. C'est un tueur en fait, à mon avis, s'il est... Tu t'entraînes beaucoup avec et que tu sais que tu peux faire ça ou ça ou ça ou ça. Comme tous les tueurs, tu me diras. Comme de nombreux tueurs. Par exemple, Deathslinger, tu sais qu'il y a des endroits où tu peux rentrer un hit. Et c'est assez spectaculaire à voir, tu vois. La Huntress, c'est pareil. Il y a des endroits où tu peux mettre la hachette, ça passe à rien, mais voilà. Bah avec ce tueur, c'est pareil. Il y a des spots où tu sais que tu pourras faire ça. Et ça sera assez impressionnant à rentrer, quoi. Ok, Striker dead. Merde. Apparemment, ils ont résolu le bug de ralentissement de l'ONI. Ah, c'est trop bien ça! Cool! Imagine dans le commissariat avec les longs couloirs. Ah, ils vont jouer à cache-cache. Ah, allez, s'il vous plaît, les amis, jouez pas à cache-cache. On va pas y passer diplôme. En fait, sur la map, comme. En fait. Eh, salut! Ah, ils ont fait le rituel peut-être. Les maps en intérieur, il me fait un peu peur ce tueur Manu. On peut la mourir ou pas? Ah, c'est nul, on peut pas la mourir. Eh, hey, Vepel, merci pour les 8 mois, tu gères 8 mois de T2 en plus. Waouh, le T2, merci beaucoup. Ah, oh, Vepel qui déclenche ce train de life. Merci beaucoup, Vepel. Merci d'avoir déclenché le train de live et merci de ton soutien. 8 mois T2, c'est insane. Tu gères, merci beaucoup. Sur les maps en intérieur, il me fait un peu peur le tueur Manu. Après, il y a des choses à faire quand même vu que le pouvoir traverse les murs. Il y a peut-être des dingueries à faire. Dommage, il n'y aura pas de Maurice sur cette game. Dommage. À moins qu'on arrive à attraper la dernière survivante, mais j'y crois pas trop. On va essayer de choper la cabane. Non, je pense que c'est bon, on va pouvoir s'échapper. Arrête! Nouvelle map, dans les toilettes, tu vas voir un graffiti, c'est mon nom, Dame T-Rex. Les avantages d'avoir un ami qui travaille à Behaviour et qui fait les maps. Non, sérieux? Vas-y, on va aller voir ça. Oh, c'est stylé! Désolé, mais les spectateurs veulent voir le Mori. Yes, ah, le petit rebond sur l'arbre. Quoi? Comment elle me l'a fait à l'envers? Elle a géré. Ah, elle a chopé une clé en pleine game. Elle a géré! Ah non, mais elle me l'a fait à l'envers! Mais j'avais zappé moi la trappe et qu'on pouvait ouvrir avec une clé et tout, tu sais, c'est genre de truc que tu vois jamais! Mais Marc, bah en vrai, c'est drôle! Eh, cette fin de partie, elle est trop drôle au final! Moi, je prenais mon temps, je me suis dit, c'est bon, c'est sécure et tout, tranquille, tu vois! C'est trop drôle! Bon, bah du coup, quatrième game! Voilà, on va se faire démonter, je pense, parce que ici, ça va être compliqué. Léry, il y a un survivant qui a mis Léry. À mon avis, je pense qu'il a dû faire 2-3 games, il est tombé sur ce tueur en pagaille. Et il s'est dit, vas-y, on va mettre Léry. C'est une map où il va galérer le tueur. Et à mon avis, il a pas tort. Yeah.
Ah, déjà parti. Toi. Bon, je vais aimer, écoute, ça sert à rien. Hein. Ouais, je vais juste aimer. Je gagne du temps. Tac. On va l'installer là. Et ouais, ça sent la map où tu aimes, ça. Après, là où ça peut être drôle. Beaucoup trop proche, du coup, c'est passé à travers. Là, il y a des murs partout, je peux rien faire. Je peux pas utiliser le pouvoir. Ouais, non, je peux pas utiliser le pouvoir ici. Là, à la rigueur. Voilà. Ouais, voilà. Ok, cool. Mais je pense que si j'avais pas, tu vois, sorti le... Si j'avais pas préparé mon arme pour tirer, à mon avis, je pense que je pouvais la M1 aussi avant qu'elle atteigne la zone. J'ai trop envie d'aller sur la nouvelle map là pour aller voir le tag Dame T-Rex dans les toilettes du coup du cinéma là. J'ai trop envie d'aller voir, ouais, je suis trop curieux. On va aller sur celle qui est marquée. À l'Oventress. Voilà. Elle est blessée. On a vu l'autre. Nice. Eh ben c'est pas mal. Fais un petit carton là, dis donc. Elle pensait que je l'avais pas vu. Ah, elle était relevée giga vite. Impressionnant. Je suis là. J'ai moyen d'accrocher et de me téléporter très vite là-bas. Ils étaient accrochés par là. Ok, nickel. On va être de retour sur eux. Déjà. Elle est déjà loin. Fang, ça fait un moment qu'on l'a pas accroché en plus, je crois. Ok, very good. Nickel. Ebloscope. Merci pour les 14 mois poulet. Merci beaucoup. Je suis fan du nouveau tueur, je trouve qu'il est très cool. C'est pas simple à jouer, hein, attention, mais je trouve que c'est cool. On va taper ici. Nice. En fait, dans les grandes pièces, tu peux faire des dingueries. Dans les grandes pièces, tu peux faire des dingueries. Sinon, dans les petites pièces, par contre, tu peux pas faire grand chose. Il y a beaucoup de tournois et tout. C'est compliqué. Mais dans les grandes pièces, t'es le roi du pétrole, quoi. Voilà, on va pouvoir taper ici.
On n'avait pas tapé ici. Ah non, on va tenter un truc, on va faire ça. Ah, elle a move. C'est con, tu vois, j'aurais pu me téléporter tout de suite. Faut avoir le réflexe de tout de suite se téléporter. Hein. On l'a marqué, c'est cool. Là, on va M1. Non. Tu grides. Ouais, trop de couloirs. Waouh. Trop de couloirs. Le nouveau tueur sort quand sur le jeu? Ça y est, il est sorti plein. Tu l'as pas encore? C'était pas là que je voulais me téléporter, mais c'est pas grave. Non, tu n'utiliseras pas ton soupe, désolé. Je le détecte, t'avais soupe. Tac. On va t'installer ici. Ils ont du mal à avancer. Hein. Si elle avait réussi à me finir avec la palette, elle aurait pu... elle aurait pu easy souple. Ouais, vous avez un concours, les amis, si vous voulez. Pour l'exclamation concours dans le chat. Vous remportez le jeu de votre choix. Attends, c'est plutôt par là qu'on va aller. Ah, ça c'était pas trop prévu. Dommage. Ouais, je vais venir sur toi, vas-y, let's go. Salut Yaya. On va taper ici. On transfère le rayon de terreur. On se téléporte ici. Ça c'est trop cool en vrai. On la grappe, on le gêne. C'est trop fort en vrai. Tu te transfères le rayon de terreur, tu te téléportes. On va faire le mori, vous inquiétez pas. On va le faire dehors. C'est génial. Donc tu tapes sur le générateur avec le nouveau pouvoir du tueur. Tu transfères ton rayon de terreur sur le générateur, tu téléportes. Donc t'as fait un move de malade, tu téléportes de l'autre côté. T'as pas de rayon de terreur. Il est magnifique ce skin. Ça me fait limite de la peine de la tuer. Ce skin il est trop beau. Et non mais c'est ouf en vrai. Et t'arrives dans la zone du coup et t'as pas de rayon de terreur, t'es au calme. C'est trop drôle. Là, je vais attendre un tout petit peu. J'attends de pouvoir récupérer mon pouvoir. Maintenant.
Voilà, j'ai pas de rayon de terreur. Je fais aucun bruit. Ah, et en plus, si je vais assez vite, bah du coup, je suppose que nulle part où se cacher peut fonctionner. Je fais un 3-6, tout de suite tu téléportes. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voir si ça marche, mais je pense que oui. Vu que nulle part où se cacher dépend de moi et pas du générateur. C'est là où je tape, en fait, en m'avançant, je peux voir l'aura des survivants après 6 mètres plus loin, tu vois. Ouais, bah ouais, bah ouais. Les barres. Logique. Attends, elle a quand même été touchée? Oh, sérieux? Bien joué, ça! Je m'attendais pas à ce qu'elle aille se cacher dans le coin comme ça. C'est bien joué. On m'a surpris. Bah tiens, regarde, c'est quoi? On va tenter le truc. Tape là. Bam. Téléporte là. Ouais. Je passe à travers elle. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Waouh. Attends. On attend encore un peu. Ah ouais, mais là, là le pouvoir il va recharger pendant une minute. Ok. Ah ouais, nulle part où se cacher, c'est vraiment broken avec lui. Tu tapes, tu te TP, tu check. Là par contre, ça peut pas passer à travers, j'ai l'impression. On va essayer de faire un tir parfait. Ah si, ça peut passer. Ah, c'est pas évident. Hein. Mais au moins de le faire passer à travers, ouais. Meilleur Mori de la journée, mes amis. J'espère que vous appréciez. Ah, quand même, on voit le final. Mori fait en toute intimité. Ah, c'était censuré à mort, putain, la vache. Donc là, on va taper sur un gène, on va se téléporter au fond. Et on va essayer de la retrouver, on va essayer de retrouver la dernière. Oh, j'y l'attrape. Arrête. Mais non. Ah voilà, tu prends ton temps, on regarde tranquillou. Oh, salut. J'ai joué, j'ai perdu. J'ai vraiment décalé à gauche sur le dernier tir. Je me suis dit, à mon avis, c'est bien décalé sur la gauche. Pas du tout. Elle a gagné. Bravo. Bien joué. Allez, c'est reparti. Combien? C'est la 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, je sais plus. Bref, quelqu'un a compté? Pas moi. Et on est sur la casse! Je crois que c'est la 5ème, non? 5ème ou 4ème? Non, c'est la 5ème. 5ème. Attends, c'est bien ça, il y a bien quelqu'un là.
On va retourner du coup ici, ouais. Ça sert à rien du coup de rester dans la coopte. Je crois qu'on va pas s'amuser sur cette map. Oh, il nous a baissé une excellente palette, notre ami, là, dis donc. Ok. Ah, c'est chiant. C'est passé à travers. Aïe, 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 aïe. Ok. Elle est contaminée. J'ai fait de la merde. Ah, c'est moi qui ai merdé, clairement. Ok. On le sait, t'as atterrissage équilibré. Oh, même pas. Dommage. Ils sont chauds ceux-là. Salut. Salut Tix. Un grand merci pour les 7 mois en tête de poulet, tu gères. Fenêtre. Nickel. C'est pas passé. Ah, je sais que tu veux tenter ta fâche. Là. C'est ça que j'ai pas leur faire de cadeau. C'est pour ça que j'ai pas leur faire de cadeau. Personne ici. Ok. Attention à la palette. Désolé, hein, je suis un peu plus focus, mais là ils sont assez vénères. Et ça sent, ouais, ça sent team, ouais, ça sent la team, ouais, clairement. Dommage. Mes sbires, ils sont pas très bien placés, malheureusement. Dommage. Ok. Là, on arrive à les tenir un peu, tu vois, ils sont tous blessés. C'est un peu la panique, ils peuvent plus réparer. Mais faut pas lever le pied en fait, si je lève le pied c'est le début de la fin. As-tu vu mon chien? The fuck. Ouais, un peu trop loin. On va aller sur le survivant qui est blessé là. Ok. Parfait. C'est le tueur qui dit. As-tu vu mon chien?
Bah, c'est plutôt non mais c'est bizarre que tu tutoies. Qu'est-ce que c'est que cette familiarité là, voyons. Qu'est-ce donc que cette familiarité? Mal gérer le rebond. Ah, il nous faudrait un truc pour nous téléporter là-bas, c'est dommage qu'on l'ait pas. Ah vous voyez, mes sbires ils sont tous au même endroit en vrai malheureusement. On va tenter de tirer là-bas, on va voir s'il y a un truc. Non personne, à moins que j'ai mal, j'ai sûrement mal visé. Hein. Ah ils sont tous là-bas? Ok. Voilà, j'ai largué un clone dans la fosse et... Un clone dans la zone! Il sait plus parler! Ah tiens, bon, on va faire un truc ça. Hop! On peut en remettre un, c'est trop bien. Oh putain. Et moi je joue pas très bien, imaginez que vous mettez ça dans les mains d'un mec qui joue hyper bien. T'imaginez? Ah la vache, les dingueries que tu peux faire avec. À mon avis là il y a du monde. Oh là 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 là. Tu étais dans l'artillerie avant le bar. N'importe quoi. Non, non. Ah bah ça répare pas. Oh, ici, regardez, des marques. Nickel. Eh ben voilà! Le petit rebond! Est-ce tire le tueur? Non, non. Non, non. Enfin, personnellement, non, je trouve pas. Et après, compliqué, tu vois, de tout de suite dire s'il est à tiers, bétière, etc. Déjà, comme ça, tu vois, sur un coup de tête, j'irais bétière. Bétière début de liste, en vrai. Mais tu vois, j'ai pas encore assez joué avec. Je suis pas tombé sur les survivants qui jouent ultra bien. Là, ils jouent bien, là. Ils sont bien démerdés, ils ont un début de game, ils étaient monstrueux. Et là, tu vois, j'ai réussi à prendre l'avantage et maintenant, c'est compliqué pour eux. Elle a du mal, la petite Sable. Ouais, Sable, elle a un petit peu de mal. Oh, le petit Mori! Ah ouais, petit Mori. Ah c'est trop! C'est trop! Y'a mon clone qui s'est relevé au moment où tu sais du Mori, genre en mode spectateur! Mais non! Ah! Ah c'est incroyable! Alors... Tu t'es rincé l'œil? Non mais je te jure, incroyable. Il s'est relevé au bon moment, c'était trop drôle. Ah je kiffe, c'est trop marrant. C'est n'importe quoi. Bon, il y a quelqu'un par ici. Ah le délire. En fait, il y a l'aura de mes sbires et ça fait trop bizarre. Pas de mes sbires, de mes clones. Faut que j'arrête de dire sbire, c'est pas le chevalier que je joue.
Il se rend en vie encore, tu vois. Mais là, c'est... Ça, c'est nickel. Du coup, on l'a marqué. Maintenant, j'humain et moine. J'ai rechargé le pouvoir et maintenant, je peux y tirer dessus. Et je le dorme. Et c'est fini. Voilà, nickel. Balèze, hein. Oh, on a cassé les lunettes de Dwight. Vous avez vu? What? Ah mais tu fais disparaître le corps. Attends, je pars que de sac maintenant. Dans le PTB, le corps il disparaissait pas. Ah, c'est le premier tueur qui fait disparaître le corps. Tu l'absorbes, c'est énorme. Ah oui, Pinhead aussi, pardon, Pinhead. Ouais, j'avais zappé. Non, ouais, t'as raison, Pinhead, c'est vrai. Si, dans le PTB aussi. Ah, j'avais pas fait gaffe. Dredge aussi. Donc Dredge, le corps, il reste pas sur le sol après. T'effaces l'épreuve, quoi. J'ai fait le clip. Ah, tu gères, merci beaucoup. Je voulais faire un rebond sur le rocher. Je peux pas la mourir. Ah si. Il le tire dans les zones de dragage. Ouais, il absorbe aussi. Ah, c'est cool. J'aime bien cette sorte, tu vois. J'aime beaucoup cette sueur où il y a une interaction avec le cadavre du survivant à la fin, c'est-à-dire que, comment dire, c'est, voilà, tu vois, il s'est passé une action, le corps est plus là, tu vois, et c'est logique. J'aime bien, en vrai, quand ça fait ça. Genre, je sais pas, t'as certains tueurs, quand tu tues le survivant, tu devrais avoir une marque, par exemple, la Piggy, par exemple. Elle met un certain coup, il faudrait que le survivant, il ait une marque, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti, mes amis. Il est en train de s'étirer correctement là. Yop! Yop! Et c'est parti sur... Oh mon... Oh... Oh mon... Terrible. Ah, ce cri de colère en pétant la porte. Impressionnant. Je suis... choqué. Il y aura du monde là, je pense. On a rien vu! S'il vous plaît! S'il vous plaît, on a rien vu! Mais ouais, mais merde! Quelle idée d'avoir mis un arbre à cet endroit-là! Donc là, tu me dis qu'il n'y a pas de survivant. Vous avez vu le sneaky se me passe là? Ouais bah vas-y file. Nickel. Voilà. On l'accroche, on va pop le central et on enchaîne. Elle est là. Elle est restée là, j'ai vu son aura. Elle a merdé. Compliqué là, hein.
GG ça. Oh j'ai merdé, Varg. Nice. Eh ben jackpot. Ok, notre survivant est relevé, on n'a plus qu'un survivant qui répare les générateurs depuis tout à l'heure. Ils sont relevés, ils peuvent relancer. On a fait perdre un peu de temps. On peut se re-téléporter au centre de la map, les rejoindre. C'est parti. On va passer par là. On va pas s'y attendre. Ok. On va pop le gène. Ah, je commence à maîtriser un petit peu les rebonds. C'est cool. C'est pas passé, tant pis. Elle a pas le réflexe d'aller sous palette? Ok. Ça a l'air fort. Hein. C'est dur à jouer par contre, attention. Mais ouais, c'est fun, ouais. C'est fun et c'est quand même fort, ouais. Ouais. Au moins, ce tueur n'a pas de soucis pour le yoga. J'aime bien l'idée. Ça répare ici. Ouais, c'est une chance. Je prends un kick give up. Bon, j'ai eu peur, je crois que ça allait pas exploser. Cabane. Vas-y, flemme. Ah, elle est là. Palette, sûrement. Merde, c'est pas passé loin, dommage. Nickel. Pas ouf ça. Alors, attends, on va taper ici, on va garder le pop pour le central. C'est dur de l'atteindre là. On va l'accrocher ici. L'utilisateur anonyme qui a offert un sub à Dianora, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci du soutien apporté à la chaîne, c'est grave cool. Je l'ai atteint, cool. Nickel. JPP, ça fait 2 heures que je joue avec Wesker en attendant la mage alors qu'elle est déjà sortie. Oh merde, c'est pas grave Swan, t'inquiète. Je vais te filer un tips si tu veux, une petite info pour la prochaine fois. La mage elle sort à 17h à chaque fois et 18h sur console. Enfin je sais pas si c'est toujours d'actualité les 18h sur console mais pendant des années ça a été ça. Ouais, 17h pétante quand il y a une nouvelle mage, c'est à chaque fois la même chose. Oh, salut. Oh, Mori. Déjà. Arrête de bouger. Ouais, voilà, mets-toi là. Comme ça, nickel. Merci. What the fuck. What.
à trouver une strat pour aller en bas direct après. Incroyable. c'est dingue. Ah, le bug. Stylé. C'est 17h pour console aussi, c'est vrai. C'est 17h pour console aussi maintenant, c'est trop bien. Mais pire idée d'aller là en vrai, c'est mauvais plan ça, Feng. Mauvais plan. Les streams DVD sont toujours à 17h ou c'est aléatoire? Les streams DVD? Ah, mes streams à moi. Tu veux dire, je suis sur Dead by Deadlight en live sur Twitch à 17h, c'est ça la question? Attends, je te montre. Je vais juste voir un truc, attends. Voir s'il y a moyen de faire passer le truc dedans. Non, y'a pas moyen. Je te montre juste après. En fait, Ange, si jamais t'es intéressé de savoir quand est-ce que je suis en live exactement sur Dead by Daylight ou sur un autre jeu, parce qu'il peut, peut-être qu'il y a d'autres jeux qui pourraient te plaire. On fait pas mal de jeux d'horreur sur la chaîne et tout. Je sors un planning du coup, une fois par semaine. Sur Twitter. Ou sur Discord. Oh, je suis loin de la palette pourtant. Eh, vous avez vu la distance qu'il y a? Je me fais arnaquer. Du coup, je sors un planning sur Discord, sur Twitter, et également dans l'onglet communautaire de YouTube, où tu vois l'heure à laquelle je suis sur Dead by Daylight. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu traîné, malheureusement, je suis allé sur DVD un peu tard, je suis désolé. Ma reine sur Isaac était trop prenante. Alors là, ce rebond, c'était pas prévu que ce soit aussi dingue. Fenêtre. Tu vois, c'est le painting de la semaine par exemple, il est disponible sur Discord, sur Twitter, dans l'onglet communautaire de YouTube. Voilà, t'as toutes tes infos. Donc là, bon, effectivement, je suis allé sur DBD un peu tard aujourd'hui, je m'en excuse. Mais d'habitude, c'est 15h-18h Dead by Daylight, ou des fois un peu plus tard même. Et d'ailleurs, samedi, il y a une killer series avec Pinhead. Voilà les amis. Tac, on revient sur le jeu tout de suite. On est de retour. C'est parti, t'as toutes tes infos comme ça. Ah bah toi, elles sont encore 3 en vie. Ouais, à travers le mur. Ouais, retourne dans un casier. Tali, t'as où quoi? Je crois qu'elle est traumatisée. Ah, la gueule de Néa. Ah, t'as vu? Ah, c'est terrible. Et Néa qui me regarde Nori. Ah non, Néa qui est choquée par la situation. Ok, je te jure. Et vu sa tronche, je m'attendais pas à la voir, tu sais. Ton... Oh. Attends, merde, elle est partie où l'autre? Ah, c'est bon, j'ai. Je la vois.
Il faut pas que tu me balances la position de l'autre parce que c'est la collaboration avec le tueur sinon. Oh, salut. Salut, ça va? Attends, on va attendre Néa quand même. C'est ma pote. Enfin, c'est ma pote. Ouais, c'est ma pote. Néa! Viens voir! Je te montre comment on fait! Néa! C'est comme ça qu'on fait! Bon bah, elle a appris maintenant, elle va. Si jamais elle se transforme en moi, tu vois, parce qu'ils ont fait un tueur comme ça, mais version féminin, hein. Bah, du coup, elle saura comment faire. Ah, oh, c'est trop bien. On va pouvoir aller voir si... on va pouvoir aller voir le tag de Dame T-Rex dans les toilettes. En fait, tu vois, regarde, sur un spot comme ça, ton objectif, ça va être, si la palette est baissée, tu vas de ce côté-là, donc le survivant, lui, il est là, tu vois. Et donc... plus tu te rapproches en fait de ce côté là et plus le survivant va être de l'autre côté. Et toi ton objectif ça va être, tu vois, d'essayer de faire un rebond comme ça pour toucher le survivant quand il sera à peu près à ce niveau là quoi. Mais ouais, c'est un coup à prendre, franchement c'est un coup à prendre. Jardin de la joie. Allons voir le tag dans les toilettes. Hey, bonjour. Les toilettes c'est là-haut. S'il vous plaît. On va aller voir les toilettes. Vas-y, vas-y, je laisse partir. Il y en a partout, ça va être dur de le trouver. Dame T-Rex. Il est où ? Check en PP. Envoie-moi une photo sinon. J'aurais dû avoir le réflexe de tout de suite prendre. J'ai merdé. C'est au niveau des portes. Ici là. Je vois pas. Tu l'as vu là. Ok. Ouais. La porte en verre. Je vois pas. Mais si tu le dis. Ok. Je suis désolé, je vois pas. Est-ce que malgré ce retard, on va réussir à remonter la porte? Ah, la porte verte des urinoirs, ok. Là, c'est fort, hein, Stadon. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Stadon. En fait, quand je marque le survivant avec le pouvoir, il a pas de rayon de terreur après, pendant 20 secondes. Il n'entend pas mon rayon de terreur. Je trouve ça vraiment cool. Pas les toilettes, mais les urinoirs. Ok. Nice. Non, c'est tellement cool comme gameplay, vraiment je suis fan. C'est intéressant, c'est dynamique comme gameplay et tout.
J'ai cru qu'il était caché par là. On va taper ici, on va voir l'aura des survs avec Pop. Le générateur a à peine démarré. La doublette. Notre survie est là, nickel. Ça t'a frôlé. Nice. Oh, y'a un passage ici, j'avais pas vu, tiens. Ok, j'ai envie de voir là du coup Dame T-Rex sur les toilettes. C'est pas là. Voilà. Il est où? C'est sur lequel? 1, 2, 3. C'est bien là? C'est sur lequel? C'est sur le numéro combien? 1, 2 ou 3? Numéro 3? Dame T-Rex en haut. Ok, stylé. Ah j'avoue. Bah après t'es la seule à avoir la ref, mais ça fait plaisir en vrai de savoir que bah y a ton blast du coup dans un... dans une map de Dead by Daylight, c'est trop bien quoi, c'est trop cool. J'avoue que c'est cool. Ah oui, c'est ton pseudo, c'est quoi? Ouais, c'est son pseudo! C'est stylé, hein! Elle connaît un des devs, du coup, donc. Elle a eu ce. Ce petit privilège! En vrai, c'est stylé! On va au fond de map, même si ça sert à rien, on va pouvoir les laisser relancer un tout petit peu la game. Ouais, y'a rien ici. Logique. Tiens, on va checker ici. RAS non plus? Ok. J'aime bien les bruits aussi quand tu tapes le survivant, je sais pas. Il y a un côté satisfaisant. Ah merde. J'essaie de me cacher, tu vois, pour pas qu'il puisse me révéler. Ah, c'était trop. J'ai merdé. J'ai plus joué M1, c'est terrible. Ouais, j'ai perdu l'habitude de jouer M1. Ouais, t'es dans la merde. Sur les spots comme ça, t'as pas besoin de forcer, c'est cool. Par contre, s'il y a le vide derrière, c'est... Enfin, s'il y a pas un mur derrière, par exemple, c'est compliqué, quoi. Par exemple, sur Midwich, je pense que les 1v1... Il y a beaucoup de spots, en fait, où le 1v1, quand tu cours sur survivant dans une zone, c'est fini, quoi.
peut plus rien faire quoi. Elle est partie Duke. Mais elle fait quoi? Mais elle est trop drôle la Néa. J'adore. Je sais pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle veut taper sa meilleure game en mode arcade, tu sais, j'adore. Il faut. Ouais, il faut monter, bien joué. C'est quoi ce bruit? Je crois que le film bug. Ah, il est censé y avoir un vrai film. Non, arrête, le film il bug, sérieux. Me dis pas que Behavior ils ont mis un film et tout, un vrai film, genre. Un vrai film d'horreur. Et me dis pas qu'il bug le truc. Pas vrai. Ils ont pas le droit de faire ça. Merci pour la planète. C'est gentil. Ah ici il a claqué son soupe je pense. Peut-être pas en fait. J'ai fait nimp. Dommage. Ah il s'en est débarrassé vite. On a joué chill sur cette game, on était à un moment donné un peu trop agressif. On a levé un peu le pied l'histoire de... Ça répare un peu partout en même temps. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc auquel j'ai pas trop l'habitude encore. Et il faudrait que je prenne l'habitude avec le tueur. Mais genre vraiment. C'est tendre l'oreille au moment où le... Oh dommage, j'ai envoyé trop loin. Tendre l'oreille en fait et être concentré sur le moment en fait où le... Merde, ça servit à rien. Ou je vais lâcher un clone. C'est super important en vrai. Ok. Jake marqué, c'est nickel. Il a seulement été marqué. Oh, il a réussi à enlever son marquage vite. Bien joué ça. Voilà, nickel. Allez, je pense qu'on l'accroche et avant de pouvoir se téléporter, ils vont me terminer un gène. Le dernier gène. Personne là? Oh, salut. Ah, avec les buissons, c'est pas évident. Là-bas, ça bosse aussi. Fuck. Elle est trop drôle.
Pardon, désolé. Putain, c'est vrai que je suis en live encore, j'avais oublié moi. Merde. On est encore en direct. Désolé, j'avais zappé. Complètement zappé. Wow, double. Ouh, le strike. Il fait mal. Hop là. Yes. Mais c'est satisfaisant de ouf. Putain. Allez, on va laisser partir la streameuse. Elle était trop drôle, la streameuse. Ou le streamer, je sais pas. Attends, on laisse les bijoux au sol, arrête. Non, c'est pas sérieux. Ah ouais, on laisse les bijoux au sol. Eh, hey, vous savez que c'est un bon endroit pour se faire des thunes, hein. Vous avez vu, il y a juste à venir ici, on récupère des bijoux dans la forêt. Tranquille. Franchement, c'est... sympa, hein. Ah putain, il absorbe tout sauf certains trucs. Il absorbe les dents, les cheveux, y'a pas de problème. Par contre, les bijoux, non, il aime pas. Non, non, ça par contre, non, non, il peut pas, il arrive pas à le digérer. C'est bon à savoir. Ah la vache. T'es un monstre. C'était trop tentant. C'était trop tentant. Franchement, c'était tentant. Ça, je l'attrape, elle l'attrape et hop. En fait, non. Putain, en vrai, le monstre, en plus, il dit des trucs genre... Auriez-vous vu mon chien? Aidez-moi, par pitié. C'est vraiment, c'est... Ah là là. Ah, c'était drôle. Et on a pu voir en plus le blast de Dame T-Rex. Ouais, ouais. Ouais, c'était bien cool. C'était bien cool. On va faire une outro, mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était la vidéo test, donc, du nouveau tueur, l'inconnu. On avait fait donc une première vidéo de présentation du nouveau tueur sur le PTB. Et là, on a enchaîné quelques petites games comme ça, à chaud, juste bah, l'histoire de découvrir un peu ce nouveau tueur, et moi je suis super content, je trouve qu'il est vraiment cool. Ouais, il est fort, pas évident à jouer, attention. Et bon, là aussi, on a un lot de games plutôt sympa. On a enchaîné du coup, et toutes les games étaient cool, c'était chill et tout. Et bon, après voilà, les survivants savent pas encore non plus comment l'affronter, donc c'est logique. Avec le temps, du coup, on va réussir à savoir comment l'affronter. Mais au niveau des mécaniques de gameplay, au niveau du perso, le lore, j'ai pas vu encore. Le lore, voilà, mais bon. Au niveau du Mori, voilà, pour moi c'est une réussite ce tueur. Il est vraiment très cool. Ouais. Ravi du coup de cette intégration et de l'inconnu sur Dead by Daylight.